6-4. T'as eu un dégât? Non, pourquoi? You, il pleut, bergère. Rentre tes mains, mouton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comme La d'habitude, il pluie pleut. en siffleur force. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est la faute à 6-4, de toute façon. Je C'est lui m'amuse trop l'admin. avec Tiens. l'héritage. Non, mais je suis. Allez, peut-être que je te cours après pour réussir à te taper dessus. Bref. J'ai vu venir le coup. Mais. Ouais. Bon, bah du coup, on a bien avancé. Enfin, j'ai bien avancé. Oui, surtout toi, t'as bien avancé. J'ai fait le guignol avec une centrifugeuse avec, et avec du matériel de compète. Ce qui fait qu'on a un système de centrifugation automatisé qui récupère. On balance l'uranium dedans, puis après, ben, il envoie dans la centrifuge régulièrement des trucs. Ben, en ce moment, il n'envoie rien du tout parce que. Est-ce qu'il faut l'activer de temps en temps? Ça arrive que ça désactive quand on logout. Bonjour. Ah oui, il y a un petit bug aussi là. C'est vrai, j'avais oublié. Des fois, le machin reste actif, le mésécone. Alors, Ah bon? c'est un peu space. Ça fait 2-3 jours que ça a commencé, je sais pas trop pourquoi. Alors, on va juste voir si ça marche mieux. Je pense que c'est genre on fait le logout pendant que le machin est actif là. Et puis à ce moment-là, ben il marche plus. Mais bon, là c'est parti, on est content. Ouais! Boum! Puis ça rentre là-dedans, et en fait, on a deux uraniums d'un type qui rentrent, et puis à chaque fois, on perd 0,1% sur un côté, et on gagne 0,1% sur l'autre. Donc voilà, puis ensuite, tout est réexpédié dans le coffre, et ça fait de la boucle comme ça. Et comme ça, on monte petit à petit, on monte petit à petit en. En quoi? En concentration. En concentration, ouais, voilà, un Voilà. meilleur raffinage. Exactement. Puis une fois qu'on arrive à 1,6%, eh ben c'est catapulté vers le haut. Pourquoi vers le haut? Parce qu'on a une autre centrifugeuse qui est là en haut et qui s'occupe de tout nous pousser à 3,5%. Voilà. Sauf qu'actuellement on a 3,4 au mieux. Donc on va tout de suite faire le filtre pour monter à 3,5 dans ce truc-là parce que l'autre est déjà plein. Ici on passe de 1,5 à 3% et dans celui-là on passe de 3 à 3,5 du coup. Boum! Voilà, je balance ces deux trucs là. Et comme ça, il va commencer à balancer du 3,5. Et ça, c'est bien. Comme ça, dans quelques heures, on aura assez de carburant pour notre centrale nucléaire. Ce sera peut-être au prochain épisode du coup. Ouh. Mais ça va trop vite! Ouais. Ouais, bah désolé, hein. Mais c'est vrai qu'il y a. Y... T'as déjà envie de faire péter le serveur tout de suite. Exactement! Ou alors c'est peut-être juste simplement parce que je savais que ça prendrait beaucoup de temps et puis ben du coup j'ai un peu trop pris d'avance voilà et puis pour alimenter tout ce beusier on va dire ben, il y a les panneaux solaires qui sont en bas mais ils suffisent pas donc du coup il y a quelques petites centrales au fuel en plus donc on va alimenter qui sont alimentées par des aiguilles de pin qui sont converties en oil extract qui lui-même est balancé dans le système pour allumer les fours les uns après les autres, qui vont générer du courant. Voilà, que c'est beau. Ah oui, la pinky. Ok. Bim, voilà, le premier est allumé. Trop bien. Et puis ensuite, si on arrive au bout, bah, on entre dans un coffre qui fait tampon et puis qui rebalance des trucs régulièrement pour recharger les fours. Voilà. Et puis ben. Bref. Ah, super. Voilà, avez-vous des questions, des remarques? Ok, vous avez... Alors maintenant, chacun, vous me rendez vos copies pour demain matin, 8 h. Moi, Bon. j'ai vu que t'avais fini la façade de ce côté aussi, là. Ouais, oui, j'ai fini, oui. Ouais, bah C'est vrai que ça ouais. fait un Je l'ai moment, mais... remarqué, je dis ça. Ah! Mais est-ce que je l'ai fait? J'ai fait ça... Ouais, je sais plus quand je l'ai fait, ça, c'est vrai. Est-ce que je l'ai fait pendant que je m'ennuyais parce que mes centrifugeuses tournaient lentement? Ouais. C'est possible. Je n'exclus pas. Tu l'as fait après le chien assis, je crois. Ouais, le chien assis Le du coup. Le chien assis. C'était vraiment un chien assis? Ah oui, j'avais dit un saut de loup. Bien sûr. Le saut de loup, si jamais. Pour ceux du fond qui ne suivent pas, c'est en fait un trou comme ça. Qui après se retrouve à aller dans le.
dans la maison, mais ça n'a rien à voir avec le chien assis. Voilà. Alors voilà. Ah si, moi j'ai fait un petit, j'ai quand même pris le temps de faire un petit générateur de Mossy Cobble. Bon voilà. Ouais. Parce que j'avais envie de faire des ruines, enfin une ruine. Et donc j'ai trouvé que la Mossy Cobble pouvait être une bonne idée pour ça. Bon là on voit pas grand-chose du coup. Non, je vais casser. Non, il Ah va. si, par en dessous? Ah oui, peut-être, c'est vrai, j'avais fait un trou en dessous. Donc, alors d'ailleurs, Cyber, tu m'avais bien aidé parce que j'avais galéré, je sais pas pourquoi, ça marchait pas du premier coup. Mais bon, on a fini par y arriver. Je sais, je Donc sais. bon, voilà, donc tout simplement, en fait, il y a un petit détecteur qui est planqué là derrière. Depuis là, je le vois en fait. Il suffit de Ah, tu venir. le vois? Oui. Tu viens jusqu'ici, puis tu regardes en haut Ah et oui, il est ça là. court Ouais, machin c'est vrai, gris. je l'avais mis. Ouais, c'est ça, c'est machin gris là. Donc petit détecteur. Donc bon, en fait, il y a la source d'eau qui touche donc le bloc de cobblestone ici. Donc au bout d'un certain temps, hein, de façon aléatoire, il va se transformer en mossy cobble. Du coup, le détecteur le détecte. Donc ça envoie un signal électrique à ce moment-là. Donc au note breaker qu'il y a à côté, donc il va casser la mossy cobble. Et en même temps, le deployer ici qui voilà contient un stack de cobble. Donc avec ce même signal électrique, va replacer une nouvelle cobble. Et voilà, ça tourne comme ça en boucle. Et la Mossy Cobble d'ailleurs, elle est envoyée à travers le réseau de tuyaux ici pour remonter Jusqu'en dans haut. notre jusqu'en haut, voilà, dans le coffre de réception. Voilà, tout Yay. simplement. Voilà, petit Ouais. système simple. Sinon, y a un truc simple aussi, c'est tu vas aux mines et puis. Non, mais je suis méchant. Oui, ouais, Non, mais voilà, mais on. c'était j'avais pas envie de casser les ruines existantes, c'est pour ça. Ouais. les donjons. En fait, je trouve plus souvent des donjons avec des trucs comme ça que de l'uranium sous terre, donc. Ouais, c'est vrai, si. Ouais. On est déjà à 12. Il y en a 12 de générés déjà, quand même, si on regarde encore. Ouais. Voilà. Alors, puis moi je vais mettre 42 d'uranium en plus dans le système parce que je peux. Tac, bim. Voilà. Ça c'est du 0,7. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut le doubler avec le grinder. Il faut mettre l'uranium lump directement dans le grinder sans attendre. Et ça marche très très bien. Et ça c'est beau. Ah oui, est-ce qu'on a montré le truc réparer les items, les outils? Ça c'est pas mal aussi. Ah, je sais pas, je m'en rappelle plus. Le Je crois pas. tool workshop. Ça c'est un truc super chouette. Donc on prend une pioche au mithril déjà un peu abîmée, on la met dedans, on laisse tourner la bête, et magie du montage, elle se répare. Ça marche pour les items enchantés aussi. Ouais, ça marche pour tout. Ça marche aussi pour les. Ça marche pour tout ce qui peut s'user. Donc là, moi je fais de temps en temps, je repasse toute mon armure aussi dedans. Ce qui me permet d'être d'avoir ça nickel. Par contre, je pense qu'on pourrait l'automatiser tout ça. Ça pourrait être assez chouette. Histoire d'avoir un truc où finalement tu mets dans un coffre et puis hop, tout part en réparation et dès que c'est réparé, ça revient dans un coffre de réception. Ça pourrait être pas mal ça. Ça peut nous faire un chouette objectif pour aujourd'hui. La station de réparation. Certains font des stations de repassage. Ici, nous faisons mieux. Des Ah stations. si, et t'as pas montré que t'avais fait un générateur de bonne mille aussi. Ah oui, non, t'as un petit pétard. Mais oui, mais je fais trop de choses, je suis désolé, les gens. Je vous présente mes excuses les plus plates. J'arrive pas à le freiner. Il est comme ça, Là. j'arrive pas à le freiner. Ouais. Hein, j'avoue que j'ai peut-être un peu abusé cette semaine, quand même. Alors, le générateur a bonne mille. Mais il est en bas aussi. Bah oui, en plus on était à côté tout à Oui, l'heure. c'est ça, exactement. En fait, je suis même passé dessus juste avant. C'est ce petit truc-là, donc on a le même bug que l'autre côté pour le. Voilà, machin qui embête. En fait, comment ça se passe? C'est super simple, c'est qu'on. La bonne mille se crée à partir des os. Donc on prend un os, on le casse, ça fait deux bonnes mille. Et les os se récupèrent aléatoirement quand on casse de la terre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose la terre et on la casse très très vite. Voilà. Là en fait, elle a été posée. Enfin, cassée et reposée instantanément, donc on ne le voit même pas apparaître. Et ça se passe régulièrement, puisqu'il y a un détecteur qui dit hey, c'est bon, la terre est passée, tu peux recommencer. Et puis, bah, de temps en temps, il y a un os qui vient avec, et puis l'os remonte dans le système. Je vais éteindre volontairement le truc, pour l'instant. Ça monte dans le crafter, et le crafter récupère les os, qui après, il les transforme en bonne mille, et il les balance en haut. Alors là, bien sûr, ça marche pas parce que c'est pas drôle, mais je vous promets que de temps en temps, ça fonctionne. Oh ben attends, ça a été efficace. Je crois que t'as rempli la moitié d'un coffre en même pas l'espace d'une heure ou un truc comme ça. Oui, ça va assez vite. Ça va assez vite quand même. Mais. Oh, Ouais. il y a aussi. C'est peut-être pas ça s'est rempli très vite parce que j'ai laissé volontairement le crafter se remplir sans qu'il crafte rien du tout, puis après j'ai tout balancé. Mmh.
Alors, est-ce qu'on arrivera à avoir un os, s'il vous plaît? Petit nonos! On veut un nonos pour l'exemple, s'il vous plaît! Bonjour! Faudrait mettre les tubes qui vont plus vite. Ah, ça change rien, ça. Ah oui, ça pourrait s'accélérer un peu le truc. Ouais, Sinon, je un peux petit peu. juste. On peut juste. On peut l'accélérer comme ça, le système. Tac, tac. Attention, on va passer à la vitesse 2. Ah oui. Comme ça. Et là, maintenant, ça casse, ça s'accélère beaucoup plus vite. Boum, ça recasse déjà. Ouais! Par contre, ça crée plus de lag aussi, et on n'a pas besoin forcément de lag. Voilà. Mais je crois que c'est comme ça qu'il marchait à la base. Il y avait Non, aussi un. t'avais mis même un second détecteur, mais ça Voilà. servait à rien, ouais, du Il coup. servait absolument à Bon. rien le deuxième, en fait, Bah effectivement. oui, ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit nonos, s'il vous plaît. Un nonos! Montrez-moi que c'est possible! C'est là que ça marche pas, évidemment. Ah oui, C'est parce toujours que pareil. des fois on en voit deux ou trois de suite. Ah, Ah ah. là, il y en a. Un nonos! Un nonos! Un nonos! Pouf! Et lui, il monte. Et remonte. Yes, puis là, il est prêt, et après. Là, c'est marrant comment ça fait, ça change de. Et il pleut! Toujours. Voilà, on atterrit dans ce petit coffre juste ici. Ce qui veut dire qu'il est à côté des plantations. Et après, ça marche très très bien, ça pour le coup. Vous plantez carottes, vous aspergez de bonne mil, et magie, carottes! C'est ce que je vais faire, je vais continuer l'escalier en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Je vais le faire jusqu'en bas. Ok. Et t'as pas encore eu ton coup de fouet en fait. Ah. Ouais, bah écoute. Six quatre-roulés Hein? d'amour, viens par Hein? ici. Je me planque. À qui me trouve? À qui me trouve? A-t-il me Promis, si je te trouvé? trouve, je te trouve. Ah Yeah! Yeah! bah ouais. Yeah! Non mais attends, Oups! là c'était trop là. désolé, Attends. j'ai glissé, chef. C'est pas moi. Non, ça te fait rien avec l'armure. Eh ouais, je suis Ah, c'est blindé. dégueulasse. Ben Oh non, là je me suis lavé ce matin, qu'est-ce que tu crois? là. Bon. Bon, je vais récupérer mon stuff quand Vas-y, même, hein. récupère ton stuff, et puis viens te venger si tu l'oses. Pendant ce temps, je vais vite construire mon système de réparation, ça va être horriblement compliqué, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va se mettre ici? Je pense que là, c'est pas mal, parce que j'ai besoin d'alimenter ça en courant, et... Sinon, on se met en bas quand même. Est-ce qu'on a de la place, là, en bas? Ah oui, on a de la place. On peut en faire. On va la mettre là. Alors, bim. Bim. Bon, j'ai enfin tout mon matériel. Boum, microcontrôleur. On est bien content. Puis on va aller poser ça dans la machine. Voilà. Alors, on met ça dans un upgrade slot. Et normalement, si tout va bien, je prends mon TreeTap. Tiens, parce que du coup, j'ai dû utiliser le TreeTap pour faire mon latex. Et normalement, ça va sortir dans un des deux côtés. Je sais pas encore lequel parce que c'est pas constant sur Technique. Il y a des trucs qui sortent à gauche et d'autres qui sortent à droite. Ah, sauf qu'en fait, j'ai mal relié mon truc. Alors, on va casser ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là. J'ai relié ça n'importe comment en fait. Ok, on va tenter comme ça. On va voir. Est-ce que ça sort par là? Absolument pas. Donc ça va sortir de l'autre côté. Eh mais j'ai fait n'importe quoi! Mais tellement! Alors, du coup, ça va sortir à gauche, visiblement. Donc on va mettre le coffre de sortie. On peut mettre juste là. Juste là peut-être. Ça sera plus compact. Alors, le coffre de sortie. Bim. On met ça et normalement, magie, ça sort et ça rentre. Nickel. Voilà, alors maintenant, on va reposer tout ça correctement et ce sera magnifique. Alors, j'essaie de maîtriser ce mode, mais j'y arrive pas. Quel mode? Witchcraft, allez va, je balance le truc. Tu veux me witch tu, il veut me witchcrafter. Voilà, on va. Alors, par contre, j'avoue que je sais vraiment pas du tout comment il fonctionne, ce mode-là. Bon, alors apparemment, c'est pas comme ça.
Witchcraft, je sais pas. Je suis ouvert à toute tentative. Du moment que je reste vivant à la fin. Ah mince, je voulais faire le truc d'if de machin. Le truc de... De la mort. La mort qui tue. La mort qui tue? Non, pas la... Non, 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 je sais pas encore. Bah déjà, de toute façon, faudrait que j'arrive à faire au moins une potion. Pour l'instant, c'est même pas la... J'arrive à rien faire. Attends, c'est moi ou j'ai trouvé... Un pentagramme, peut-être que je peux faire un Oh, pentagramme. j'ai trouvé une usine à... Une usine à Mezekon, complètement par hasard. Et c'est le bug qui tue. Comment ça, une usine à mes écoles? Ah ouais, à fond. Attends, je vais regarder combien j'en ai sur moi. Actuellement, j'en ai 5. Attention. Boum. Et j'en ai 6. Yes! Ah, je te C'est un bug? montrerai. C'est un Oui. bug? Oui, c'est Ah, clairement un d'accord. bug. Ah, ok. Ok. Un bug de duplication, quoi. Ouais. Ah, Mais ouais. alors, est-ce que ça marche partout? Je ne sais pas, mais... Ah, là, c'est plus classe comme ça. Normalement, ça marchait quand même. Qu'est-ce que j'ai qui est utilisé? Ah, j'ai cette magnifique pelle. Non, mais il faut que je la mette là-dedans. Tac. Donc, je balance ma pelle dans ce truc-là. Et normalement, elle est là, elle se fait réparer. Et ensuite, elle va être expédiée de l'autre côté. Et ça devrait blinker un coup. Bonjour, tu te répares, s'il te plaît? Non, mais forcément, parce que les trucs sont vides. Voilà, c'est Oh. fait. Et voilà. Oh. Ça m'a fait un truc bizarre. J'ai tellement peur de ce qui va m'arriver. Rendez-moi mon cerveau. Sympa ce mode, là je vais m'amuser avec ce truc. Je crois que je vais aller enquêter sur Witchcraft extrêmement vite pour savoir à quelle sauce je vais me faire bouffer. Mais alors moi je regarde pas sur internet, hein, j'essaie de pas tricher, j'essaie vraiment de découvrir tout par moi-même. Hein. Voilà, comme ça, maintenant, nous avons une magnifique usine à réparer les trucs. Je sens que je suscite l'enthousiasme, ce qui veut dire qu'il est en train de Ça y est, tu l'as préparer un fait? sale coup. Pour l'instant je galère, hein, honnêtement, Je je suis pense sur que mes gardes. tu vas pas avoir à trop t'inquiéter. Jusqu'au moment où... Ouais, jusqu'au moment où, bah, de toute façon, après. J'ai du mal à trouver les infos qu'il faut, Oh, quel dommage, en vraiment! Pouh là là! Alors, donc on a dit Witchcraft. fait. Mais en fait, en plus, l'auteur de ce mode, il a fait exprès de pas trop expliquer comment ça marche, justement. Pour pas que ce soit trop facile. Donc le seul moyen de comprendre comment ça marche, c'est d'aller explorer le code, en fait. Zut alors. Ouais, non, mais bon, je vais pas le faire là, de toute façon. Hein, on va... Alors, je vais refaire ça. La. Alors, je me réjouis de voir ce que ça va donner ce truc-là. Bim. Ok, à ne pas utiliser ici par contre. Ouais, on va même aller aux mines, tiens. Ouais, parce que maintenant je vais aux mines comme ça. C'est ma mine d'uranium. Alors, voyons, si je fais ça. Oh yeah! Oh, je veux! Oh, je veux, je veux, je veux, je veux. Suis pas là pour voir, mince. Je me sens pousser un sourire maléfique. Ça va, tu te sens pas trop, t'as pas trop peur, ça va? Tu veux qu'on en parle? Il faut que tu me trouves déjà aussi. Oh, mais ça y a pas de problème. Je vais trouver. Alors. Ok, alors, boum, 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 boum. Bon. Olé! Attends voir. What? Ah ouais, quand même, ça a marché. Bon, heureusement.
Dommage qu'elle soit pas grillée, la viande. Ouais, Alors. j'ai trouvé des trucs vraiment chouettes là, y a pas de problème, moi je t'attends, hein. Avec Witchcraft, hein? Ah, mystère et boule de suif. Ouais, je pense que tu étais parti là-dessus. Alors. Ah mince, dommage ça. T'es sûr que tu veux pas venir me voir? J'ai Bah plein de non, choses pour toi. hein. J'ai plein de choses, je te promets. oui. Voilà, je suis de retour. Bonjour. Je suis de Bon, pour jouer un retour. mauvais tour, c'est ça? Bon, on fait dodo? Allez, j'arrive. J'ai peur, il veut me tuer. Mais non. Voilà, il fait jour, yes. Bon. Aïe, il faut que je te montre un Voilà. truc. Allez, vas-y, montre-moi. Ouais, c'est j'ai un parchemin pour toi en fait, qui va Ah. t'aider pour faire tes potions. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ah oui, c'est. Aïe! Quoi, C'est aïe? quoi? Ah, mais c'est. Ah, tu m'as envoyé. Non, mais enfoiré! Ah! Ah, j'ai plus de vie bientôt. Ouais, faites nous nuit, mec. Ah ouais, du coup, ouais, tu t'amuses à faire les parchemins, toi, en Et fait. ça marche très Ah, ok. bien. Ouais, je les avais vus, ceux-là. On va peut-être pas mettre le feu à la maison quand même. Ah. Mais les boules de feu, ça donne super bien à part ça. Regarde, Ouais. si je les envoie. Ah ouais. Ah, c'est un peu Ah! chaud. Ouais. Ah mince. Non, notre hubertrie, notre seul Non, il y en a un exemplaire. deuxième, il y en a un deuxième. Ah oui, c'est vrai. Je vais aller te sauver. Je vais te sauver, Rubertri. Voilà. Ah, ça va. Et je pensais pas que ça toucherait, c'était à côté. J'ai visé à côté exprès en me disant c'est bon, ça risque rien, tu parles. Bon, allez, va, je vais remonter mon matériel, moi, du coup, parce Tu veux que. que j'aille? Attends, je vais remettre le jour alors. C'est vachement Ouais. pratique ça pour. Pouf! Il fait Waouh, c'est jour. génial ce truc. Bon, ça coûte un diamant à chaque fois par contre, mais. Ouais. Puis alors, moi ce qui m'intéresse c'est le Scroll of Nature aussi. C'était quoi déjà celui-là? Il fait quoi? Ben, il fait de la nature. Ah. Ah, bah, ça fait un peu comme le bonne mille. Je ne sais absolument rien, donc j'ai très envie d'essayer pour voir. On va peut-être pas faire ça dans la maison par contre. Allez, on va tenter le Scroll of Nature. Allez, juste là. Pouf. What? Ok, ça fait pousser un arbre. Ouais. C'est genre, je pense, ça prend un arbre au hasard et puis pouf, ça te le pose et ça te fait pousser. C'est Ah, comme c'est ça qu'on chouette. aurait pu avoir notre Hubertree, je pense. Ah ouais, aussi. Bon, bah maintenant c'est réglé, hein, normalement. Ben, de toute façon, on en a deux, donc. Justement, au Ouais, cas déjà. où il y en a un ou deux qui étaient assez bobés pour mettre le feu au. Mais je vois pas lequel des deux pourrait faire ça. C'est pas notre genre, pas du tout. Voilà, bon les gens, à bientôt! Au revoir! Voilà, ça c'est Ah, oh, pour je suis dans le forcer. lit. Je suis en train de forcer le destin pour me venger un jour. N'est-ce pas? Je suis martyrisé. Ouais, je suis méchant. Mais je t'offrirai une vraie armure un de ces jours. Ah oui, d'ailleurs, tiens, ton armure. Oui, Bah. d'ailleurs. Hein? C'est ça, tu me prives d'armure et puis après, pour mieux me tuer. Voilà. Exactement. Non, mais en fait, du coup, je vais te rendre ton armure. Surtout si le machin veut bien. Tac, tac. Hop, récupéré. Hop, hop. Mais en fait, je sais pas pourquoi je la laisse pas dans le coffre simplement, puis tu la reprends parce que c'est plus facile. Ok, je t'ai mis les pièces dans le coffre. Est-ce que t'as la dernière? C'est bon, ouais, je me Ah, il y a casse pas là, le mais. casque, il est en train de finir de se réparer. Ok. Il sort dans 10 secondes. Mais c'est vrai qu'avec le nombre d'éclairs que t'as pris, je te devais bien ça, au moins. Bref. Bon, Ah oui. à bientôt les gens! À bientôt. Bonne nuit! Salut. À la Ah. prochaine.